Alors, le Chok l'Israël ce matin, Bezat Hashem, la Gemara Sanhedrin 21b, Lulu Nishmat, Aïcha, Ruth, Bat Esther. Il dit ici, Vekotev lo Sefer Torah Lishmo. Il y a une mitzvah qu'un roi d'Israël, il doit écrire un Sefer Torah. Chaque roi d'Israël, ils ont une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ou Tana, ou Bilvat, Shelo Itnae Beshel Avotav. Et il n'a pas le droit de dire, mais mes parents ont écrit un Sefer Torah. Par exemple, le roi Salomon. C'est sûr que le roi David, il a écrit un Sefer Torah. Mais le roi Salomon ne pouvait pas dire, mais mon père, il a déjà écrit un Sefer Torah. Non, tu es devenu un nouveau roi, tu as une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et ton fils aussi, il va écrire un Sefer Torah. Et ton fils aussi, fait Torah. Alors, chaque roi d'Israël est obligé de s'écrire un Sefer Torah. Il dit, Amar Rava, de là, la Gemara Rava, il apprend une halakha. C'est pourquoi la mitzvah a été donnée comme ça? Pour t'enseigner. Pas seulement le roi d'Israël, toi-même. Même si tes parents ont offert à la synagogue un Sefer Torah, offre toi-même un Sefer Torah à la synagogue. Okay? Ça veut dire que tes parents ont offert un Sefer Torah au nom de leurs parents. Toi, offre-le au nom de tes parents. Si tu permets. C'est ça. Alors, il dit ici que chacun, il doit écrire un Sefer Torah. Pourquoi? Écrire un Sefer Torah est la 613e mitzvah de la Torah. Comme Rava, il emmène ici le verset, Ve'ata kitvu lachem et ashira azot. Écrivez-vous cette chanson. Chanson, ça parle de la Torah. C'est la 613e mitzvah et la dernière de la Torah que chaque juif doit s'écrire un Sefer Torah. Et c'est pour ça, quand on inaugure un Sefer Torah, les gens viennent écrire des lettres. Parce qu'ils veulent participer dans la mitzvah. Mais en vérité, la mitzvah est à qui? La mitzvah revient à celui qui l'a offert. C'est pour ça qu'il y a une halakha très intéressante. Quand tu as offert un Sefer Torah à une synagogue, il ne faut pas leur donner cadeau. Si tu as donné cadeau, tu as perdu la mitzvah. Parce que tu leur prêtes. Tu dis, je vous le prête. Le jour que je déménagerai, ou mais les enfants voudront prendre le Sefer Torah, ou j'irai en voyage, j'aurai besoin de Sefer Torah, ou j'ouvre une synagogue et j'aurai besoin de Sefer Torah, je le reprendrai. Alors tu fais un contrat, parce qu'après il y aura des problèmes. Non, tu nous as donné, non. Tu fais un contrat, et tu écris dans le contrat, j'ai écrit un Sefer Torah, et ce Sefer Torah, et je l'emprunte, ça veut dire je le prête à la synagogue. Et là, c'est à toi, c'est à ta famille. Okay? Maintenant, il dit ici, dit la Gemara, itve abaye vekotev lo sefer Torah lishmo shelo itnael shelachim melech in ediot lo. Ah, attends une seconde. Dit abaye, je comprends pas là. Tu es en train de me dire que la Torah a parlé des rois d'Israël. Et la Torah dit au roi d'Israël, tu dois t'écrire un sefer Torah, même si tes parents ont laissé un sefer Torah. Mais où tu vois ça que chaque juif c'est la même chose? Peut-être la mitzvah a été donnée que pour le roi d'Israël. Comment tu as appris du roi d'Israël que tout le monde doit se le faire cette mitzvah? Alors il lui dit, non, écoute, est-ce que je t'ai emmené le verset Ve'ata kitvu lachem et ashira azot? Okay? Alors de quoi parle le roi? Pourquoi on lui a donné une autre mitzvah d'écrire un Sefer Torah? Il est inclus dans tout Am Israël. Non, le roi, il écrit deux Sefer Torah. Un qu'il donne, offre à la synagogue, et un qui reste chez lui, avec lui. Okay? Et il dit ici, וכדתניא וכתב לו את משנה התורה כותב לשמו שתי תורות אחת שהיא יוצאת ונכנסת עמו ואחת שמונחת לו בית גנזיו. Le roi d'Israël doit écrire deux Sefer Torah. Un Sefer Torah qu'il offre à la synagogue dans l'Echal. Le deuxième, il prête. Okay? Le deuxième, qui sort, il rentre avec lui toute la journée. Toute la journée, le Sefer Torah doit être avec lui. Alors, un des commentateurs du Talmud qui s'appelle Rashash, Rabbi Shmuel Sternsen, il pose une question. Mais dis-moi, il va se promener avec un Sefer Torah toute la journée, c'est lourd. Ah, tu vas me dire qu'il va écrire un petit Sefer Torah comme les Ashkenazes y font. Ils font des petits Sefer Torah. Il y a même des Sefer Torah dans le monde aujourd'hui qui sont la taille d'une mezouza. Ça veut dire 12 cm, 15 cm. Rien. C'est 15 cm, petite écriture, très lisible, et c'est pas lourd. Dit le Rav Sternsen, mais quand même, tu sais, toute la journée se promener avec un Sefer Torah dans la main, ça, c'est pas facile. Alors Rav Sternsen, il dit un grand chidouche. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Le deuxième Sefer Torah qu'il écrit, c'est pas un Sefer Torah complet.
Le deuxième Sefer Torah, c'est un parchemin. Et sur le parchemin, il y a un morceau de la Torah. Un morceau de la Torah. Quel morceau? Parashat Kitetsé. Parashat Kitetsé, c'est la paracha où on parle de loi du roi, qui ne peut pas avoir trop de femmes, qui ne peut pas avoir trop de chevaux, pas trop d'argent. Il y a tous les enseignements pour le roi. Ça, c'est la Torah, la deuxième. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il écrit une petite paracha à la taille d'une mezouza et il l'accroche sur son poignet. Et là, la Torah, elle rentre et elle sort avec lui toute la journée. Un petit parchemin à la taille d'une mezouza, c'est pas lourd. C'est commode aussi, c'est attaché sur son poignet, et là il peut rentrer et sortir avec toute la journée. Dit la Gemara, mais il y a une place où il ne peut pas rentrer avec le Sefer Torah, ce parchemin, ou la salle de bain. Même si la Torah lui a dit que toute la journée il doit être accompagné avec ce Sefer Torah, mais attention, quand tu rentres dans la salle de bain, il faut donner un respect. Même à attention. Ok? Maintenant, alors qu'est-ce qu'il fait? Ou il le couvre, ou il l'enlève et il le met de côté. La même chose, tu as un sidour. Tu as une petite chose de l'amnatsiah binginot mismorchir en forme de la menorah. Tu ne peux pas rentrer dans la salle de bain. Mais si tu le mets dans la poche, si tu mets dans la poche, tu peux rentrer. Pourquoi? La poche est considérée comme deux couverts. Regardez la mezouza. Elle a deux couverts. Il y a le plastique, il y a le boîtier. Alors chaque objet sacré, quand on veut le respecter, que pour qu'il ne soit pas dénigré, on le couvre deux fois. Alors la mezouza, c'est un plastique plus un boîtier. Le petit carnet que tu as avec Divrei Torah ou Birkat Amazon ou n'importe Kfiat Minha, petit, ouais. Tu le mets dans la poche. La poche est considérée comme deux couverts et là tu peux rentrer avec de la salle de bain et sortir et pas, il n'y a pas de problème. C'est respecté envers le Baruch Adonai Leolam. Amen, ve amen.